Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue sur Fantamogame, chers amis, pour un petit gameplay du plaisir, pas un playthrough, juste du gameplay. Le nain a envie de s'amuser, le nain a envie de se la péter. Dans toute la galaxie, on raconte l'histoire d'une lointaine planète, de sa sinistre forteresse. Et du jour où une force irrésistible a déchiré le ciel pour s'abattre sur elle. Réduite en ruine, elle abrite désormais une relique d'une puissance incommensurable, précédant le temps lui-même. Une arme qui peut tuer le passé. Avec le temps, la forteresse a été rebâtie et attire à présent tous les aventuriers les plus audacieux, avides de son trésor. Pour s'en emparer et changer le passé, ils doivent entrez dans le guinjon. Ouais. Entrez dans le guinjon et bienvenue à la foire de Floridès. Avec la petite musique qui va bien. Le guinjon, on est là, on est dans le guinjon, dans le coltard. Vous comprenez? Le coltard, coltard. C'est entre dans le coltard. Dans le coltard, c'est la traduction française de chevaux. Bonjour et bienvenue à tous. J'ai envie de jouer un petit peu à ce jeu, chers amis, parce que ça fait longtemps que je vois d'autres le faire et que moi j'avais envie de tenter ma chance, chers amis, tenter ma chance. Alors bien sûr, c'est un jeu. On va appuyer voilà sur le bouton lecture tout de suite, voilà, et on va choisir, on va choisir le Marines. Tiens, pour commencer. Alors, c'est un jeu. Comment ça s'appelle? C'est un. Je sais plus comment on appelle ça. Un dungeon crawler, je sais plus. J'ai perdu le terme technique, mais dans tous les cas, c'est un jeu à la Isaac, à la FTL. C'est un jeu procédural qui se génère au fur et à mesure que vous avancez dans les niveaux. Le principe est simple, vous entrez dans un coltard, dans le donjon. Vous entrez dans un donjon en fait où tout est en forme de flingue et tout est en forme de balle. Vous faites piou 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 sur les méchants et vous essayez de choper les trésors sans mourir. C'est un jeu assez difficile au même principe que, bah, que Isaac, hein, tout simplement. Mais j'avais envie de m'y essayer. Et d'avance, je tiens à le dire dans les commentaires, chers amis, vous êtes sans doute des milliards en train de dire « Bob, Bob, j'ai 1800 heures sur ce jeu, j'ai déjà tout débloqué, je maîtrise tout, hein, Bob, t'es mauvais !» Je sais. Je sais. Ah, quelqu'un me dit que c'est un roguelike. Vous êtes très nombreux sur le chat à dire que c'est un roguelike. Voilà, c'est un roguelike, tout à fait. On peut choisir 4 personnages au début, je suis sûr. Alors, je suis sûr qu'il y a plein d'easter eggs, qu'on peut en débloquer plein d'autres, comme Isaac finalement, hein, où on peut débloquer des tas d'autres personnages, des boss, même un sous-niveau, on peut aller se battre contre Satan. Bref, on s'en fout. Mais pour l'instant, on a au début 4 personnages. Nous avons le pilote, alias le mec avec un vaisseau spatial, la taularde, ou plutôt la fugitive, hein, la condamnée, oui, comme ça, comme ils veulent. La chasseresse et le Marines. Alors le Marines il est black. Alors pour faire plaisir aux minorités visibles, hashtag Manuel Valls, on va commencer avec le Marines. Parce que c'est ça qui est bon. Minorité visible. Gna, gna, gna. Tu dis ça parce que je suis noir, c'est ça? Non, je dis ça parce que t'es un Marines. Il y en a pas beaucoup en France. Ça veut rien dire. Et tout de suite, on se pénètre directement dans le guinjon. Allez, on va dans le coltard. Et voilà, c'était juste du gameplay sans prise de tête, chers amis. J'avais envie de faire du contenu sur Fantavob Games, je vous le dis encore une fois, sans prise de tête, dans lequel je vais parler de tout, de rien, de ma vie, avec le chat. Je vais lire, je vais être posé, et avec vous, vous pouvez vous installer, ce sera comfy. Alors, je viens de pénétrer dans une chambre, vous savez, la chambre d'un flingue, dans laquelle on insère une balle huilée, et je suis plongé dans le guinjon. Alors, il n'y a pas de limite de temps, et il faut savoir qu'il y a plusieurs petites choses à savoir. En haut à gauche, vous voyez, les balles rouges, ce sont ma vie. Hein. Chaque balle rouge constitue un demi-cœur, donc 2 balles rouges, ça fait un cœur. Et la balle à côté, c'est mon armure, à savoir le casque de mon Marines. J'ai 2 balles à blanc, et lorsque je m'en sers, ça fait disparaître les tirs des ennemis. Hein. Imaginez les larmes rouges de Isaac, les larmes rouges des ennemis dans Isaac, ça les fait disparaître. Et enfin, j'ai mon fidèle pistolet. Voilà, très bien. Est-ce que je peux recharger? Oui. Très bien, écoutez, j'apprends à me servir des touches. Très bien, ok, on y va. On y va et on y croit. Tous les ennemis sont à thème de flingue, donc ce sont tous des balles. Oula, oula.
Qu'est-ce que... Ah, il tire dessus. T'as vu, il y a des grenades avec des ailes. C'est pire que les Saoprix dans Pokémon. C'est pire que les Zubat. Pire que les Nosferapti. Crevez tous. Alors, je joue à la manette Xbox 360, chers amis, hein, sans aucune vergogne. On peut y jouer au clavier à la souris, comme Isaac. Mais personnellement, je suis plus à l'aise avec une manette, alors on va y aller. Alors, j'ai pas beaucoup joué au jeu. J'ai peut-être lancé et fait le tutoriel. Et c'est à peu près tout ce que j'ai fait, chers amis. Et c'est pour ça que je tente ma chance dans le guinjon. Alors, j'ai une clé, vous voyez, tout en haut à gauche, j'ai une clé. Et les clés, il faut les garder pour ouvrir les coffres et essayer d'obtenir des nouvelles armes. Sauf que pour l'instant, je vais garder ma clé, voir s'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant à ouvrir qu'un coffre vert. Oh putain. Oh, chier. Ouah. Alors, il faut savoir aussi que la roulade... Oh, merde. Oula. J'ai pas perdu de vie. Tout va bien. J'ai eu de la chance. Mourez. Alors, vous remarquez que les ennemis sont cohérents avec la forme qu'ils disposent. Leurs tirs sont cohérents. C'est-à-dire, vous voyez que ce sont des balles, des cartouches de fusil à pompe qui me tirent au fusil à pompe. Vous voyez, c'est cohérent. Quand c'est une cartouche de pistolet, il me tire dessus au pistolet. Quand c'est des cartouches de magnum, il me tire dessus au magnum. Et quand c'est des cartouches de sniper, il me tire dessus au sniper. Ça fait du sens. Quand ce sont des fantômes, alors j'ai trouvé ça très intelligent de la part du jeu, je sais pas comment ça a été traduit en français, mais quand ce sont des fantômes, il faut savoir que ce sont des hollow points, c'est-à-dire des balles à tête creuse. Sauf que hollow, ça veut aussi dire fantôme, quoi. Limbe esprit. Ah, c'est mal traduit. Caoutchouté. Ah, c'est des balles en caoutchouc. Ah. Ils auraient dû les appeler les Sarkozy. Enfin bon. Allons-y. Alors lui par contre c'est un Rambo. C'est bon je l'ai eu. Ah merde, je me suis fait toucher, j'ai même pas vu. Alors il faut savoir, voilà, je suis mauvais hein, à ce jeu. Il va falloir que j'apprenne à y jouer à peu près correctement. Et ça va me prendre un certain temps. À savoir que dans ce jeu on peut renverser les tables pour se planquer derrière, ce qui est plutôt pas mal. C'est pas grave, j'ai perdu mon armure, avec de la chance j'en récupérerai plus tard. Oula, slime. Non, voilà. C'est bon, ils sont tous morts. Oh, le mauvais. Le mauvais, dès le début qui se fait toucher, c'est honteux. Oh putain, au-dessus. Ah, ça passe, on fait le tour, on recharge. Non, attends, faut recharger 16 boutons, très bien. C'est une question de comment ça s'appelle? Ah non, putain, j'ai roulé mais j'y étais pas. Et je me suis fait toucher, j'ai perdu un beaker. C'est pas grave, je suis en train de perdre lentement le contrôle de la situation. Contre des petites balles du début, je suis sûr, il y en a, ils s'arrachent les poils. Ça passe. Très bien. Ouh, j'absorbe plein de petites douilles. Les douilles servent de monnaie dans ce jeu. Ok, très bien. Alors là, la porte est fermée, ça veut dire qu'il va falloir que je passe de l'autre côté. Et là, il y a un levier. Que fait ce levier? Je ne peux pas l'activer, très bien. Je peux... Non, ça tombe. Très bien, allons-y. On progresse. Ah, putain. C'est passé, je pensais pas ça passerait. Seigneur Marie-Joseph. Oh, une clé. C'est bon ça. Est-ce que je récupère la clé maintenant ou est-ce que j'essaie d'attirer le rat? Alors, il faut savoir que si vous laissez les objets traîner sur le sol trop longtemps, c'est-à-dire si vous quittez la pièce et que vous revenez, il est probable qu'il y ait une créature qui tente de vous les piquer. Non, c'est bon. Ok, bah il m'a rien volé, super. Faut imaginer un petit peu que ça ressemble à Krampus dans comment ça s'appelle? Dans Don't Starve. Vous savez, la saloperie qui vous pique les objets que vous laissez au sol. C'est bon ça, tout se passe bien, on maîtrise la situation. Là, il y a un feu. Alors, on me dit dans le chat que le feu sert à... qu'on peut passer à travers le feu si on a le pistolet à eau ou si on arrive à ramener un baril d'eau dans le feu. Afin de potentiellement récupérer un objet. En plus, il y a une belle image de Dumbledore juste derrière, ça fait plaisir. Allons-y. Oh, un baril d'eau, quelle chance. Comment je vais le sortir, lui? Aha. Non. Ok. Aha. Je suis trop malin. Ah merde. Ok, je maîtrise la situation. Non, et oh, 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 non, mais non. Ok, très bien. Ok. Putain de merde de chier. Ouais, c'est bon, je l'ai. Oh, c'est bon. Je maîtrise la situation. YOLO. Non, reviens. Tonneau de merde. YOLO.
Ça touche. Ça touche. Et dedans, il y a... Cupwick. Allez, on se casse. Oh, miséricorde. Miséricorde. C'est pas très grave, on progresse. Alors, le but de chaque étage, bien sûr... Oh! Ah, je peux pas tirer au travers, bien sûr. Putain, il faut pas que je passe par là. C'est dangereux. Il faut que je fasse le grand tour. Feu, 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 feu. C'est bon, ils sont tous morts. C'est bon, l'endroit est débloqué. Putain de table. Ah, les tables se pètent au bout d'un moment. D'accord, c'est dangereux quand même. Oh, un coffre. Un coffre, un coffre. Sauf que c'est un coffre marron. C'est de la merde. Et la porte s'ouvre. Formidable. Sauf que j'ai deux clés, donc je pourrais peut-être les utiliser pour ouvrir les deux coffres. Hein. Je rappelle, j'ai trouvé un coffre vert et un coffre marron. Ça se joue, ça se joue. Attention, le fusil à pompe. Bré, bré, bré. Attention, attention. Voilà, super. On maîtrise la situation et... Oh, un magasin! Bienvenue! Dans ce magasin, je peux acheter du matos contre les douilles que j'ai récupérées. Le Makarov, tiens, c'est pas le flingue qu'utilise Revolver Ocelot dans Metal Gear Solid 3, ça? C'est bon, ça. C'est bon, ça. Ah, quelqu'un me dit, il y a un bouton dans la cheminée. Mes excuses. Alors, c'est pour ça, YouTube, chers amis de YouTube, je sais que vous regardez cet épisode et que vous êtes en train de vous arracher les cheveux parce que vous avez fini le jeu, vous avez 1800 heures et vous l'avez platinumé, ce jeu. Ok. Oh, il est mignon, lui. Bonjour. Quelque chose pour ma collection? Je paie un bon prix. Ah ouais, tu baises. D'accord, je crois qu'on peut lui vendre des ordures, lui. Pour récupérer des ordures, je crois qu'il faut péter des coffres. Donc je vais faire ça avec le coffre marron. Du coup, je sais que vous êtes bien meilleurs que moi, chers amis, vous en faites pas. Mais j'essaye, je me balade, je me promène et je me promène et je parle de tout et de rien. Je parle du tout, oui, parce que je regardais l'Evo avec Ken Bogard. L'Evo, pour ceux qui ne savent pas, c'est un tournoi international sur Street Fighter V. Oh, j'ai appuyé sur un bouton. Et donc ? Non, ça n'a strictement rien fait. C'est formidable. C'est formidable. Donc on maîtrise parfaitement la situation, allons-y. Jeu de problème, jeu de problème. Je recharge, très bien. Alors je peux continuer à sauter comme ça. Voilà, très bien. Je vais péter le coffre. Ah ah, et je récupère un demi-cœur, yay. Ça c'est plutôt cool. Quelqu'un me dit que j'ai ouvert une salle quelque part. Ah oui, un truc que vous devez savoir aussi dans ce jeu, c'est un bullet hell. C'est-à-dire, c'est un peu comme les jeux où vous avez des vaisseaux spatiaux, il y a plein de boboules de partout, il faut les éviter et que ça a l'air super dur. Pour esquiver les balles, vous pouvez soit passer autour, ne pas vous faire toucher, soit vous mettre derrière les tables, soit rouler. Vous remarquez en fait que tant que mon personnage est en l'air, il est invincible. À la seconde où il touche le sol, c'est-à-dire la fin de sa roulade, il peut à nouveau être touché. Vous voyez, c'est ça l'astuce en fait. Donc je peux rouler contre les ennemis, je peux rouler à travers les balles. Mais c'est compliqué à faire et c'est en dax. Je peux acheter des balles à blanc, je m'en suis pas servi. Pas des cœurs, des munitions, ça ne sert à rien. Je pourrais acheter le Makarov et je peux lui parler, oui, bonjour. Attention aux balles. Bah oui, forcément, connard. Ok, très bien. J'ai l'impression de voir quelque chose là. Ou alors c'est peut-être une illusion d'optique. C'est peut-être une illusion d'optique, excusez-moi, très bien. Bon, je vais pas dépenser mes sous, je vais les garder. Et pour exactement, je vais ouvrir le coffre. Comment on fait? Ah oui, c'est ça. Je vais ouvrir le coffre avec ma clé, en utilisant la téléportation des salles que j'ai déjà débloquées. Ça, c'est cool, de pouvoir se téléporter où tu veux. Oh. Je maîtrise pas encore toutes les touches. Hein. J'ouvre et j'obtiens... un cœur de glace. Qu'est-ce que c'est? Alors, regardons. Déjà, mon flingue. Munition limitée, ne révèle pas les murs secrets. L'arme de poing des Marines a été introduite dans le gonjon par un soldat sans garde de Primerdine. Même si elle est d'apparence robuste, on rapporte qu'elle trahit souvent son porteur au moment où il aurait plus besoin d'elle. Oh, l'arme qui est designée par Judas. Actif, réclame du ravitaillement, ça c'est pour m'invoquer des munitions pour mon arme, si jamais je récupère une arme spéciale. Tire des projectiles glacés lorsque le porteur subit des dégâts. Oh, d'accord, intéressant. C'est quand je subis des dégâts, parce que bien évidemment je ne compte pas subir, donc pour le coup c'est un peu de la merde, mais c'est pas grave, je le vis bien. J'aurais préféré une arme personnellement, parce que l'intérêt du gonjon, chers amis, l'intérêt du coltard, c'est que vous pouvez récupérer des dizaines et des dizaines d'armes, et oh putain, oh polo. Oh putain, on me tire dessus aussi par-dessus. Ouah, la porte. Double table. Ouah, ça passe, ça passe. On est organisé. Je suis pas rassuré. C'est bon, ça passe. Ouah, l'esquive latérale du Lénon. Et on recharge et on lui tire dessus pour l'achever comme... Putain. C'est bon. Phew. Maîtrise totale de la situation. Très bien, cet endroit me paraît étrange, mais c'est pas grave.
Il y a un demi-cœur cependant, ça c'est la bonne nouvelle. Si je m'en vais et que je reviens, est-ce que le rat il tente de prendre mon demi-cœur? Je sais qu'il y a un rat qui vient voler mes objets. Je sais que t'es là, Splinter! Je vais te trouver, je vais te défoncer la gueule! Voilà. Tout va bien. Il y a Splinter, je sais qu'il est là, ça ne sert à rien de me mentir. On va se téléporter là. Ah ah, la salle secrète s'est révélée sur ma map. Vous voyez, c'est plutôt pratique. Du coup, dedans, il y a une double trappe. Et c'est là que j'aurais été très content de garder mes clés. J'ai l'air d'un gros con. Remarque, je ne sais pas où ça me mène. J'aimerais d'abord faire au moins, une partie vanilla, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que si ça me mène chez Satan en personne, ah ah, la salle du boss. Est-ce que j'ai bien tout visité dans cet étage? Oui, c'est important de tout visiter. Quoi ça? Ça doit être l'entrée. Je vérifie. Ouais, c'est l'entrée avec un trou du cul géant, parfait. On se téléporte. Oh l'enculé. Apollo, le roi des balles, le trône de plomb. Eh ben putain, il est pimp, hein. Il est pimp. On va essayer de garder une distance respectable. Oula. Respectable. Ouah! Respectable avec monsieur fils de pute. Ouah. C'est passé. J'ai dodge au pif. Ça passe. On va garder des distances respectables, j'ai dit. J'aime pas passer par le bas comme je suis en train de le faire. Je préfère rester sur les côtés. C'est plus safe. Non. Je suis pas rassuré. Oh, putain. Heureusement que je suis invincible tant que je suis en l'air. Et oh là là, il tourbillole. Ça tourbillole sec. C'est bon, on maîtrise la situation. J'aimerais réussir à le perfect. Je sais que c'est improbable. Oh non! Tant pis pour le perfect et je me fais double toucher. C'est pas grave. Effectivement, il y a de la glace de partout. Je me suis fait avoir. En fait, l'astuce, chers amis, c'est quand vous passez en dessous et au-dessus de lui, vous avez une fenêtre d'esquive qui est vachement plus réduite que si vous êtes à l'opposé de l'écran. Je le saurai pour la prochaine fois. En attendant, je gagne. Oh, plein d'argent. Deux cœurs. Je ne sais pas ce que c'est, des crédits hégémoniques acceptés dans toute la galaxie. Et un Akajoule 100% bio. Ça tire des Akajou. Ok, très bien. Et ça tire des Akajou. Bon, on sent que ça sert à rien. Mon dieu, j'ai une arme de hippie, c'est pas grave. Ah, et j'ai oublié de me servir de mes balles à blanc. Bon, bah, on va. Il faut savoir que les balles à blanc permettent de révéler les passages secrets s'il y en a. S'il y en a. Ah ! Pas de passage secret. Tant pis. Qu'est-ce qu'il vend lui ? Il vend un Makarov, des cœurs et des munitions. Eh ben écoute, je vais acheter le Makarov. Ne serait-ce parce que c'est une arme que j'ai jamais vue. 350 balles avec, et avec les munitions, je peux... si je tombe sur des caisses de munitions, je peux régénérer mes balles de Makarov. Ou mes balles d'Akajoule. C'est au choix. Faire un peu de test 1-2-1-2. Mais c'est comme mon flingue, mais en plus pourri, en fait. Waouh. Bon. On me dit que c'est le lance-grenade de Donkey Kong. Expank donc, ça envoie des couilles de Donkey. On est bien. J'aime bien envoyer les couilles de Didi au visage de mes ennemis, c'est ça qui est bon. Allons-y, chers amis, allons-y. Putain, ça a l'air d'être grave de la merde. Non, putain, c'est la merde. Ok, il est pourri, je sais pas m'en servir. Je préférais une mitraillette classique. Ah putain, je me fais toucher comme un gland. Ok, tout va bien. Ouah, on va essayer de survivre le plus longtemps dans le donjon. Rappelez-vous que c'est la première fois que je joue. Passez le premier niveau, chers amis. Oua.
Ouah, qu'est-ce que tu tentes de faire, mon salaud? Ouah. Ah putain, je me suis fait toucher en rentrant dans ce mage. Quel dommage. D'accord, je savais pas qu'en fait les ennemis vous faisaient du dégât au corps à corps. Mais en fait, si vous touchez les ennemis, ça leur fait du dégât. Oula, il a l'air vénère. Non. C'est bon, il est mort. Il a laissé une trace de sang sur le sol et... Ouh, il me tire dessus derrière une table. C'est time crisis. C'est bon. Non. Oh, polo. Voilà. Oh, chier, c'est quoi ça? Ok, tout va bien. Nika, what? Ah, d'accord. Ok, je comprends. Prêt. Oh, yeah. Très bien. Oh! Oh! Les esquives d'un homme! Piu! Oh! Je ne le maîtrise pas, cet ennemi! C'est bon, je l'ai eu! Oh! C'est bon, c'est passé. Merde, j'ai tout cassé, j'ai pas fait exprès. Je voulais pas, j'ai fait clic droit. Non! La calotte de vos morts! Oh, je l'ai poussé dans le trou, ils sont tombés! Ils peuvent tomber, les ennemis, d'accord, c'est bon à savoir. Non, la chienne de vos morts! Non, mourez dans votre chiasse! Non! Attention! Ouah! Oui, on peut faire ça! Ouh! Eh ben putain! Et là du coup voilà. Et c'est vrai que j'ai complètement oublié d'utiliser les balles à blanc qui auraient pu me sauver lors du dernier combat, chers amis. Balles à blanc qui fait disparaître toutes les balles à l'écran. Et merde! Oh putain, je m'en bouffe une. C'est pas grave. C'est bon, je l'ai eu ce coup-ci. Et il m'a pas baisé. Non. Oh, ah, c'est bon. J'ai cru qu'il allait me baiser, mais ça passait. Ok, tout va bien. Eh ben tendu, ces espèces de vierges de fer. Il me reste 180 balles de Makarov, ça passe. Oh là là, c'est quoi ça? Ah, des balles en caoutchouc, elles me poussent. D'accord, ça fait du sens. C'est des balles en caoutchouc, donc elles me poussent. Bon, après, je me suis pris des dégâts, mais c'est pas grave. Le Hénon est pas encore trop naze. Mais non, t'as deux cœurs au deuxième niveau, bien évidemment que t'es naze. Ça va! Je maîtrise pas toutes les situations, ok? Oh putain! Non! Ah, putain! Tu vas crever, oui! C'est bon! Je l'ai baisé! Putain, je me suis fait toucher, mais c'est pas grave! Ok, tout va bien. Tout va bien. Viens là. Oh, une clé. Dieu merci. Une clé de l'argent. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Clé de cellule. Qu'est-ce qu'elle peut bien ouvrir? Et des munitions. Bah, des munitions pour le Makarov. Écoute, hein, on recharge d'abord. Voilà. Fou. On y croit. Ok. Au pire, si je meurs comme un caca, je ferai une deuxième run. Dans le même épisode. Hein. Le boss, est-ce que j'y vais tout de suite? Parce que tant qu'il me reste un cœur et demi, tu vois, j'ai toutes mes chances. Allez, j'y vais au Coco Bongo, on y croit. Au Coco Bongo, les mecs! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! L'Armaconda, eh ben putain! Allons-y! Bouffe ça, saleté! Ah putain, il joue comme Snake! Oh la vache! Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai essayé de faire clic droit, mais j'ai pas pu. Je me suis pris deux dégâts. Donc là, le prochain, je suis mort. Ah putain, il y a des têtes qui apparaissent et... Ah, chienne de vie. Bon. Mort comme un caca. Ok. Mort comme un caca. Bleh, voilà. Abattu comme un clébard. Eh ben écoute. C'est pas grave, oh t'as même la Kim Cam en haut à droite, c'est pas grave. Le Lennon est mauvais à Gonjon, le Lennon ne sera jamais aussi fort que, je ne sais pas, un Norden Lion ou d'autres personnages qui... Excusez-moi, Dr Pepper de la défaite. Voilà, il sera jamais aussi fort que les autres, mais le Lennon va pas forcément s'entraîner, mais va s'acharner.
Et on ne sous-estime pas le lénon. C'est parti. C'est parti, c'est parti. On y retourne. On y retourne, on y retourne. Par contre, ce boss, j'ai pas du tout compris ses patterns. J'imagine qu'il y a moyen de piger les patterns ou quoi que ce soit. Autant le boss du premier niveau, ça se jouait. Autant celui-là, la réponse était juste non. Alors là, on va se planquer derrière, voilà, derrière là. Alors. Boum! Très bien. Et j'ai touché personne, super. Ok, très bien. Si je pouvais tomber sur une calage, quand même, ce serait confort. Ce serait confort, victoire. Objectif, pas se faire toucher, allez. Si je t'ai déjà pas touché sur le premier niveau, moi je dirais c'est une victoire pour le Lénon. On va se mettre des objectifs progressifs comme ça. C'est comme les gros, quand ils sont là, je vais perdre un kilo en une semaine. On ne se moque pas, c'est un début. Ah, super. On ne se moque pas, c'est un début. Allons-y. Douah ! Boum, il a payé, lui. Oula, il tire deux fois, lui. Ah, il a un double canon, j'imagine. C'est malin, c'est malin. Ah, et quand il suit... Oula, oula, oula. Ah ! Putain ! Oh, la balle caoutchouc qui m'a fait peur. La balle caoutchouc qui m'a fait peur. Boum, déjà on la bat comme un clébard lui. Oh merde, le fantôme, je l'avais pas vu. Déjà on s'occupe des petites balles parce qu'elles peuvent nous toucher de manière manière suspecte. On va abattre ces saloperies, blablabla. Ah, putain, il a disparu. Là. Ah ah, une clé. Deuxième clé, le Lénon a de la chance. Le boss. Le boss. Le boss. Le boss. La calotte de ses morts. Oula. Les jumeaux terribles. Et merde. Allez, ce coup-ci, on n'a pas peur d'utiliser les balles à blanc si jamais la situation... part à volo. On fait attention qu'on passe au-dessus et en dessous. Et on essaie de rusher. Qu'est-ce que... Oh putain. Il y a des larbins qui pop. Très bien, très bien. Il décide de venir, on va pas s'enfermer dans le coin. On va se donner la possibilité de se déplacer. On zone bien, on zone bien. Excusez-moi, j'ai paniqué. On panique pas. Ah, on panique pas, on essaie d'en abattre au moins un. Ah putain, la calotte de ses morts. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va en buter un déjà, voilà. Déjà toi t'es bien saucé. Oh merde, il est vénère. Oh, il est vénère. Oh, il est vénère. Oh, il est vénère, il est vénère, il est vénère. Oh, il veut me saucer. Bon, ça se passe plutôt bien. Il est pourri. Allez, t'es pourri. T'es pourri, mec. T'es pourri. Voilà, t'es pourri. T'es pourri. Ouh. Eh ben, putain. De l'argent. Oh, mon armure. Super, je regagne mon casque. Une vie, et qu'est-ce que c'est que ça? La ruche. Ah ouais, ah, c'est bien contre les ours, mais mais ça sent le miel, cette histoire, chers amis. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la suite du niveau, bien sûr. La suite est toujours après le boss. Ok, ça fait du sens. Allons-y. Bon. Bon, 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 c'est un début, chers amis. C'est un début. Je me suis fait toucher. Et j'ai récupéré mon armure. Donc on y croit, on va se servir de la ruche un peu. Ça marche ou c'est pourri? Ça a l'air nul à chier. Ok, très bien. Ouah. Ouais. C'est bon. Bouffe ça, enfoiré.
Oh. Mais c'est nul à chier. Bon, c'est pas... C'est pas grave. Et pas grave, et pas grave. Oh, des piafs, fait. Oula, 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 les balles, elles me suivent, eh. Ah, ils crachent des œufs, ils crachent des œufs à balles. D'accord, ça fait du sens. D'accord, d'accord. Ok, allons-y. Oh mon dieu, des grenades! Des grenades à pattes! Oh putain, il a bouffé! Hop là! Et voilà! Mort comme un caca! Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a un tonneau de flotte? Ou est-ce qu'on l'a pété? Ah ah! Un tonneau de flotte! Ben on va faire l'effort. On va faire l'effort. Attends une seconde. Pour la table. Voilà. Merde, non, 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 non. Non, 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 non. Voilà. Non, voilà. Non, 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 non. Ah, putain. Non, 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 non. Putain. Non. Ah, ben, ben. Ah. Là. Non. Il est en train de me rendre fou. Me rendre fou. Voilà. J'y suis, j'y suis. Voilà. Voilà. On est bien. On s'aligne. Tac. Et boum. Et là, il est dedans. Là, il est dedans. Il est dedans. On la voit. On le voit, le passage secret. Regardez sur la map. Vous le voyez, il est juste là. Très bien. Et ben, allons-y. Au passage secret, Bob. Non, dans la suite du coltard. Et d'un. Déjà les balles, tout ce qui tire des balles c'est plus dangereux à mon avis que ce qui me charge. Je gérerai avec ce qui me charge juste après. Je peux gérer ce qui me charge juste derrière. On gère, regarde. Pip, pip, pip. Et pan pan pan, là ramenez-vous, ramenez-vous. La calotte, voilà. Et boum. Hop là. Ouais, il a cru que c'était Castlevania lui. Il a cru qu'il pouvait me baiser, il pouvait me baiser. Une clé pour ouvrir un coffre. Benza, il m'a déconseillé de le faire si c'est un coffre marron. Si c'est un coffre marron, il me dit, tire dedans. Vraiment, un coffre marron, ça vaut pas la peine que tu l'ouvres avec une clé. Tu trouveras pas d'arme dedans. Voilà, on gère, on gère. Oh merde, juste derrière moi en plus, putain! Oh, la situation de merde! La situation qui dégénère à une vitesse folle. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, 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 voilà. Voilà, il bouffe. Voilà. Oh, du fromage. Super. Un marchand, super, qu'est-ce qu'il vend? Alors, bienvenue. De l'armure, c'est intéressant. Des demi-cœurs, des demi-cœurs, des demi-cœurs et 40, ok, très bien. Une furie tabloïde. J'ai foutre couille, aucune idée de ce que c'est. Je le prends. Merci de votre confiance. Voyons voir. Voyons voir, voyons. Attends, fais voir ce que ça dit. Tire des abeilles, la ruche et l'arme à feu de la nature. Secouez bien, puis laissez les balles butiner. Très bien. Cette ancienne technique augmente brièvement les dégâts lorsqu'une table est renversée. Chapitre 2 du Tabasutra. Ça ne vous met pas en colère qu'on renverse une table? Très en colère, au point de renverser une table vous-même. Pensez-y, la prochaine fois vous verrez une table. Technique rendue célèbre suite au duel qui opposa la troisième maître de Tablechi à un renverseur de table anonyme. Oh. C'est le tableau fou, les mecs. C'est comme le kung-fu, mais avec quatre coins. Et pas de table, putain, pour tester cette technique ancestrale incroyable que je viens d'apprendre. Bon, nique les buissons. Ah ah, un coffre bleu. Qu'est-ce que c'est? Les gens bioniques. Oh, bionique, sa mère, ouais. Alors, voyons voir. Vitesse déplacement augmentée. Ok, bah, pas de commentaires. Oh, voilà qui est pratique. Voilà qui sera très utile, chers amis. Déplacement augmenté, moi ça me botte. ça me botte les jambes bien. Ouais. Allons-y. Ah merde. Très bien. Très bien, un cœur rouge, tant pis. J'aurais espéré récupérer autre chose, mais le monde est cruel et c'est pas possible. Alors.
Allons voir, le passage secret. Dans le passage secret, bien sûr, il faut deux clés pour l'ouvrir, ouais. Sauf que je sais pas où ça mène, Charles, vous êtes très nombreux à dire « Bob, t'as ouvert le passage secret, il faut deux clés, il faut que t'y ailles, tout ça. » Mais je sais pas ce que ça fait, je sais pas où ça mène et je sais pas pourquoi. Et on le découvrira, possiblement, dans le prochain épisode. En attendant, deuxième monde, on y croit. Allez, ce coup-ci, on se le sauce, le boss du deuxième monde. On se le sauce, on y croit. J'en veux, Sacha, j'en veux. Un glaçon. C'est une arme? Une clé? Oh, ça, ça m'intéresse. Des munitions? Pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Une amorce originelle. Fusil de chasse. Ah, intéressant. Et lunettes. Ok, et... Oh, shit! Ah! D'accord, ça dure le temps d'un chargeur, la table. C'est bon à savoir. Et ça fait bien mal, quand même. Ouah! Touais! Jésus. Très bien, très bien. Je sais pas s'il fait vraiment plus de dégâts pendant quelques instants, mais si c'est le cas, c'est une bonne chose. Vive la vitesse de déplacement améliorée quand même. Hein. Vous allez mourir, oui. Voilà, enfin, ils sont morts. 1, 2, 3, 4, 5 ennemis. Yeah. Oh putain, oh waouh 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 waouh. Alors toi pour toi. Toi je te baise. Ah. Toi je te baise. Ah les skis. C'est bon. Ok, il a explosé, attention. Ah putain, j'ai tenté le réflexe, j'ai pas réussi. J'ai tenté les réflexes, j'ai pas réussi. Je voulais m'entraîner. Ouais, non. C'est quand même Tandax. Ils sont quand même dangereux, les snipers. Ok, très bien. Bon, on a toujours de l'armure. On a toujours l'armure, on maîtrise la situation. Qu'est-ce que c'est cette merde? C'est quoi ça? Bon, c'est mort. Quoi que ce soit, il est mort. Il est mort dans l'atroce souffrance. Il est mort dans sa chiasse. Et nous, c'est ce qui compte. Allons-y. Hop là! J'utilise vos astuces, chers amis, j'utilise les abeilles pour pouvoir me planquer. Oh, une clé, c'est bon, ça. C'est bon, ça, une clé, ça fait plaisir. Ah, merde, et j'entre sans avoir rechargé. Ce qui était très con de ma part. Non, 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 le fantôme, non. Le fantôme, non. Le cube, non. C'est bon. Ouh. Victoire. On maîtrise la situation, on maîtrise la situation. On pénètre. On les pousse dans le trou. Et un dans le trou. Et boum. Allez, appareil. Ah non, il en reste. Alors, il y en a plus, pardon. Il y en a plus, il y en a plus. Très vite. Le boss. Bon. Au vu de la branlée que m'a mis le dernier, je suis pas en confiance, voyez. Le kung fu. Ah, au moment où je recharge, c'était très con de ma part. C'est bon, il est mort. Il est mort, il m'a juste rapporté de l'argent, super. Puff, 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 puff. Plein d'endroits que j'ai pas visité. On y croit. Oh, qu'est-ce que c'est? Offrande, le reste est effacé. Tant pis. Pas bien ce qu'il faut offrir, on verra plus tard. Reste pas là. Ah non. Ah tant pis. Au moins j'ai repopé, très bien. D'accord, je pensais que ça allait me tuer instant, mais en vérité non. Je suis tombé comme un caca dans le trou à cause de cet ennemi qui m'a surpris. Très bien, très bien. C'est bon, c'est passé. Oh mais c'est pas vrai. Non, 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 non. Mais bon. Ouh. J'étais pas dans la zone des dégâts, j'étais dans la zone d'explosion. Tout va bien. Ouh. Eh ben putain, je suis tombé dans le trou et j'ai perdu mon armure. Mais c'est pas grave.
Oui, moi j'y crois quand même. J'y crois quand même. Une balle à blanc, super. Non, c'est bon. Des munitions explosives. Holy shit, qu'est-ce que c'est? Ajoute des petites charges explosives à certaines balles tirées. Développé à l'origine par les mineurs Zombarm qui travaillaient au fond des mines de poudre à canon, ces petites charges explosives font meilleur quand il s'agit de nettoyer une place. Objet de prédilection du roi tir qui aime le bruit qu'elles font. Oh. Il existe un truc qui s'appelle le roi tir. C'est explosif mes couilles. Bon, c'est pas grave. Ok. Oula. Oula. Bonjour. Non, il veut pas me laisser passer. Non, il me faudrait une clé de la taille de... Ah, c'est à ça que servait la grosse clé que j'avais récupérée avant, vous savez, dans le niveau d'avant. Enfin, pas dans le niveau d'avant, mais dans le stage d'avant, enfin, dans ma vie d'avant. J'ai récupéré une grosse clé, je me demandais ce qu'elle ouvrait. Et malheureusement, je ne l'ai pas trouvée, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je le vis bien. Je le vis bien, je le vis bien. On me dit, Bob, donne ton flingue à la statue. Je vais pas donner mon flingue à la statue. Si je donne mon flingue à la statue, j'ai plus d'armes. Bon. On va l'abandonner. Wait. Non. Non, je ne peux pas abandonner mon arme de départ. Non, non, bah, je vais pas le faire, chers amis. Parce que je ne peux pas abandonner mon arme de départ. Et je ne souhaite pas abandonner la ruche à la statue. La ruche qui me sera très utile dans le combat de boss qui va venir. Ça touche de là-bas. Oh oui, ça explose, c'est bien ça. Voilà, je le sauce de loin. Des munitions. Non, 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 j'ai sauté. Bon. Je suis un sac. Je ne veux même pas en entendre parler. Je veux même pas entendre parler de cette mort, chers amis. Je ne veux pas en entendre parler. Oh merde. Ah mais merde. Allez là la clé. Je la vois la clé. Je vois la clé. Où elle est, elle est là. Reviens salope. C'est bon, je l'ai. J'ai la clé de la serrure. Bon, je me suis fait toucher. Mais c'est pas grave. C'est passé. C'est pas safe, mais c'est passé. C'est bon. J'ai un peu craqué en utilisant les munitions de... Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des abeilles, d'accord, c'est des abeilles mortes. Excusez-moi, c'est l'accumulation de cadavres d'abeilles mortes, j'ai cru que c'était quelque chose. Allons-y. Un coffre vert. Mais bon, il est pas méchant, j'achète. Qu'est-ce que c'est? Le méga-main. Oh, mais c'est le méga-buster. On peut le charger jusqu'où? Intéressant. Intéressant, intéressant. On va le tester, écoute. Hein. Oh. L'hôtel est vide. Écoute. Je vais pas me poser de questions. Je ne sais pas quoi y faire. On se fait pas baiser, on se fait pas baiser. Ok. On va tester le méga-main, écoute. Oh la vache, ça bourre. Hein. Voilà. Eh ben, ça a l'air pété, effectivement. C'est super puissant, le méga-main. Et... peut-être le garder pour le boss. Je sais pas si ça fait si mal au boss que ça, en fait. J'hésite en fait entre les abeilles, parce que les abeilles me permettent de tirer à l'infini sans me faire chier et sans me préoccuper du boss, tu vois. Et quelque part, je me demande si j'achèterais pas le demi-cœur. Non, glaçon, c'est trop cher. Fusil de chasse, je peux. Lunettes, je sais pas ce que ça fait.
Amorce originelle, je sais pas ce que ça fait. Une clé, je sais pas ce que ça fait. Des munitions, j'en ai pas besoin. Demi-cœur. Écoutez, je sais que c'est sacrilège d'acheter des vies dans ce genre de jeu. Mais va libérer la prisonnière, tu vas pas le regretter. Ah, très bien. Très bien, très bien. Hop. Madame, bonjour. Enfin, je me disais bien que j'allais devoir attendre avant que quelqu'un descende ici, mais pas à ce point. Ça fait une éternité que j'attends. Enfin, occupons-nous de la boutique, elle est restée fermée bien trop longtemps. Ça y est qu'à passer, on est tout en haut de la brèche, vous pouvez pas nous rater. Je vais à la brèche. Merci d'avoir secouru maîtresse Cadence et lui. Je vais l'escorter jusqu'à la brèche. Tu viens, Ox ? Est-ce que tu peux être lent ? Il lui manque un bras au machin. Non ? Je peux lui donner le méga buster ? Ou ça sert à... Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, j'imagine que j'ai débloqué un magasin. C'est cool, c'est cool. Je devrais vraiment acheter de la vie, pourquoi ? Parce que je peux ne me faire toucher que 4 fois et le boss de fin du niveau 2, il est violent quand même. Il faudra que ce jeu est violent, hein. Vous croyez peut-être pas ? Peut-être que vous avez vu des pro-players y jouer, vous vous dites... C'est facile ! Les doigts dans le cul, je le fais ! Oh putain, c'est quoi ? Je l'avais déjà affronté avec Benzaï, lui. Le tyranneuil, super ! Bah déjà, dès le début, allez hop ! Dès le début, comme ça au moins, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de, d'embrouille. Ok, Les abeilles. Il n'y a pas d'embrouille, c'est les abeilles. Les vrais strates. Les vrais strates. Il n'y a pas d'embrouille. Et voilà, il n'y a pas d'embrouille. Voilà. Le méga buster, c'est bien. Mais j'avoue que là, pour le coup, je me suis permis de bourdonner. Enfin, si je peux me permettre, j'ai envie de dire que j'ai rushé le boss. rushé. Très bien. Je suis youtubeur, c'est mon métier. Oh, super. Deux armures, ça c'est gratos. Et le brick chiche, le secret des maçons. C'est une brique qui se fume, comme le hashish, mais c'est en ciment. Révèle les portes secrètes. Peut utiliser pour compre les briques mouchardes prêtes à traire leurs congénères accidentés contre un peu d'argent. Ne peut pas servir de monnaie. Je suis circonspect. Est-ce que ça révèle les passages secrets ? S'il y a des passages secrets, je les cherche, mais... Tout le monde me dit que c'est un objet portugais. Hein. Ouais, mais il mérite. Hein. Après tout, quand la coupe est pleine, bah, il faut la donner aux Portugais parce que les Français sont pas capables de la tenir. Oh, ça fait mal. Pardon. Alors, Je sais pas comment marcherait cet objet en fait. Cet objet étrange et ésotérique. Bon bah écoute. Non, c'était pas là. Là c'est le point d'entrée. Est-ce qu'il y en aurait un dans le magasin par hasard ? Non, c'était pas là. Bon. Bon, j'ai pas d'idée particulière, offrande, blablabla, je peux pas lui donner d'objets, lui, à part des armes, et je souhaite pas lui donner, parce que la ruche et le méga buster sont très bien. On me dit d'aller dans la crypte, Jette-toi dans le trou laissé par l'ascenseur. Bon, de toute façon, cette vidéo a duré trop longtemps, allons-y. Où suis-je ? Quel est cet endroit empli de mystère et d'étrangeté ? Balle à blanc ! Non, ça marche pas. Abeille ! Non. Je peux tomber dans l'hôtel, là ? Je ne sais pas.
Je ne sais pas, chers amis. Je ne sais pas. J'ai aucune idée de à quoi sert cette salle. Ça sert à rien. Pour l'instant, de toute façon, tous les secrets sont bien beaux, mais ils ne servent pas à grand-chose. J'ai vu, je suis venu, j'ai vaincu, mais j'ai surtout rien compris. Et allons à l'étage inférieur. Troisième étage, on y croit. On y croit. On y croit. On y croit, on y croit. Oh putain! J'ai tout fait péter! D'accord. Ouais, c'est, je m'en doutais. J'ai compris, ok, j'ai compris. Et ça, ça se détruit? Ça se détruit, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Allons-y. Ok, prenons le Mega Buster. Ah putain, je me suis fait toucher. Ça saute, ça? Ouais! Ça saute, ouais, ça passe. Qu'est-ce que c'est rien, c'est de la merde. C'est de la merde. Ok, très bien. Boum! Qu'est-ce que... Tu vas arrêter, oui? J'imagine qu'il le protégeait ou qu'il augmentait ses dégâts. Je sais pas, absolument pas l'un ou l'autre, mais... D'accord, c'était un champignon. Un champignon à balles. Et il m'a tiré dessus, il est mignon. Ok, on y croit. Alors, je sais pas qui c'est ce champi là-bas, mais il a l'air vénère. Oh putain, les balles reviennent vers lui. Ah non, elles restent statiques. D'accord, je comprends. Je l'ai eu. Oh putain, ça touche. Oh putain de la vie. Oh putain des munitions. Je vérifie s'il n'y a pas de passage secret. Non, c'est bon. Excellent. Munitions Megaman rechargées. Super. Ok, ok, pour l'instant je les éclate. Pour l'instant je les éclate, je maîtrise la situation. Ok, ça, ça tire des lasers, très bien. Boum. Boum. Ouah, ouah, ouah. Ouais, c'est bon ça. Boum. Et boum. Ça sauce, ça sauce. Le Lennon est en confiance. Le Lennon est en confiance. Le Lennon est dans sa game. Il y croit. Qu'est-ce que ça dit? Utilisez la carte pour te téléporter jusqu'à les points de téléportation. Bah merci, connard. Bon. Un grappin. Ok. Un pistolet de détresse. Des clés, ça c'est très intéressant. Et des munitions, ok. Et une cage où je peux lâcher des objets à mon ami le clochard. Très bien. Eh bah écoute. Ah! Putain, j'ai roulé pourtant. J'ai roulé, mais trop tard. Je devrais pas me laisser avoir dans les coins comme ça dès le début. Je devrais réussir à cesser la situation rapidement. Ça. Ah putain, je me fais toucher à la fin de ma roulade. Bon, je vais le saucer cette merde ou bien. Mais ah, bon, il me rend fou. Bon. Boum. D'accord, c'est un piège. Il se désactive si je bute tout le monde. Je m'en doutais en fait. Quand j'ai vu que j'arrivais pas à l'autolock, je me suis dit que c'est un objet qui est indépendant de ma volonté. Boum. Et boum. C'est bon, je vous ai bien tous baisé. C'est quoi ce machin violet? C'est suspect. Non bah c'est bon. C'était rien, c'était rien. Merde. Bien ce que je pensais, il les protège. Oh merde, merde, merde. C'est bon. Chier, chier, chier. Ok, ça brûle toujours, ça brûle toujours. Est-ce que je peux passer? C'est bon, je peux passer. On maîtrise, chers amis. Le Lennon est là, le Lennon est présent, dans le guinjon, dans le coltard, on y croit. Ok. Ah ah, ce sera intéressant à ouvrir plus tard.
oui, bah oui. C'est sans grande difficulté que je passe cette difficulté, si on peut l'appeler comme ça. Ok. D'accord, très bien, on retourne là, super. Et je peux pas y... Oh, ok, très bien, bon. J'imagine que je peux prendre les wagons. Oui ! Très bien. Très bien, très bien, ça fait du sens. Allons-y, allons-y. Allons-y, oh, le boss ! Zob la mouche ! Je veux pas y aller tout de suite, je vais mûrir ! Je vais mûrir si je vais voir le boss tout de suite. On y croit. On croit qu'on va trouver de meilleurs objets. De l'armure, de l'argent, de la vie, quelque chose. Moi j'y crois. Oh putain, mais c'est pas vrai. Bon. Oh, qu'est-ce que c'est? Le phénix, renaît dans les flammes. Mais il m'a l'air très bien ce flingue. Allons-y. Un coffre fermé. Et là, un méchant. Ah non, non, non. Ah putain, mais j'ai brûlé. J'ai brûlé, j'ai brûlé. Ah ah. D'accord. Je me suis brûlé tout seul, chers amis. Je vois un passage secret, mais il ne veut pas s'ouvrir. Il ne veut pas s'ouvrir. Ah ah, de l'armure, oh putain de la vie. Un demi-cœur. Oh là 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 là. Ça c'est beau, ça c'est beau. Et en attendant, voilà. Un morceau de caca. Super. Ouais, super. Excellent. Donc en fait quand il y a un petit personnage, c'est mon mur spécial. C'est mon mur spécial, ok très bien. Mais je me suis fait toucher dès le début, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je préfère quand même le Mega Buster. Wouah, 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 il a fait un tourbillol. D'accord, très bien, je vois comment il marche. Ok, donc le phénix, c'est cool si je suis immunisé contre le feu. Sinon, ça devient très vite un problème, en fait. Bon. J'ai perdu mon armure aussi vite que je l'ai récupéré, mais c'est pas grave. Je le vis bien, je le vis bien. Et boum! Terriblement suspect tout ceci. Ok. J'imagine que ça fait du sens si je peux voler. Hein. D'accord, donc trop tirer au même endroit, ça fait du feu. Ok, j'ai mes abeilles. J'ai mes abeilles. Les abeilles, le partenaire minceur, le contrat de confiance, on y croit. Devrais-je acheter une... Oula. Devrais-je acheter une clé? Une balle à blanc, non. Des munitions, peut-être. Des munitions pour les abeilles. Eh, ça coûte cher. Eh, je les prends. Eh, on y croit, de toute façon, je sais que je vais mourir comme un caca. Je ne me fais pas d'idées, je ne me fais pas d'illusions. J'aurais peut-être dû attendre d'ouvrir le coffre avant d'y aller. Non, c'est plutôt une formalité. C'est une formalité, on ouvre le coffre. Tap. Et dedans, il y a une auto-marbalète. C'est un fusil à pompe arbalète. Ok. Ça a l'air intéressant pour les salles avec des monstres, mais face au boss, je vais garder mon Bizibi. Et y croire très fort. C'est parti, qui est-ce? Miséricorde! Kakakaka, je t'ai manqué, Lennon! Le Balrog! Eh mais... On y croit! On n'a pas avisé, donc pour l'instant, tant qu'on n'a pas avisé, les esquives, elles sont présentes. Tant qu'on n'a pas avisé... Ah putain!
suffit. Oh, misère. Ah, ok, putain. Mais c'est tendu, mec. Bon, non, je me suis fait toucher. C'est fini. C'est fini, on y aura cru. On y aura cru, Lennon. Ouah, 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 ouah. Nine. Ah. Mega Buster. Méga couille. Oh, il paye. Oh, les abeilles. Oh, l'amour des abeilles. Oh, c'est la victoire. Oh, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. du cœur. De la Valkyrie liquide. Douleur maximale. Qu'est-ce que c'est? L'auto-arbalète, des carreaux d'arbalète en rafale. C'est cool, ça. Ralentit les projectiles ennemis. Oh, c'est bon, ça? C'est bon, ça, mon gars? Mais on y croit? On y croit? J'ai tout visité. C'est important de tout visiter. On ne sait jamais quand est-ce que je pourrais rater un objet. J'ai tout visité. J'ai tout visité. On y croit. On y croit. On y croit. C'est shit, les abeilles. Oh, allez, moi, je suis content. Je suis content d'être tombé sur un objet pété. Hein? Ne dites pas que vous êtes mécontent quand vous faites une run sur Isaac et que... Oula, la glace. Est-ce que ça me fait du dégât? Non, mais ça glisse. Ouais, d'accord. Est-ce que je peux sauter sur la glace? Ouais, ok. Il va falloir faire attention. Boum! Boum! Ha! Boum! C'est bon, je les ai eus, les caca? C'est bon, je les ai eus. On y va. On pénètre. Là! On va essayer de se débarrasser de ces vampires, là. Ah merde, mais il y en avait des petits, je les ai pas vus! Je les avais pas vus! C'est vrai que la plupart du temps, chers amis, je regarde mon personnage et je laisse la vision périphérique. Je me suis fait toucher là, Médou. Je laisse ma vision périphérique faire le travail. Et ma vision périphérique apparemment est mauvaise. C'est des tables, ça? Ouais, c'est bon, c'est des cercueils, c'est des tables, ça compte. Donc c'est ici qu'on va mourir, mais c'est pas grave. On y croit. Oh merde. Protégé. Par qui? Où ça? Bon, il est mort. Bon, lui, il est mort. Ils sont protégés, ils sont protégés. Où ça? Où ça? Où ça? Non, c'est bon. Tout va bien, tout va bien. On recharge, on recharge. On y croit. Ah ah! Piou! Non, je l'ouvre. Oh, qu'est-ce que c'est? Armure de chevalier du Gonjon. Armure à tous les étages. À tous les étages. Oh, le plastron du chevalier sensible, Cormoran. Voyant qu'il surpassait facilement les ombarmes, le chevalier a versé dans l'excès de confiance. Au plus profond des lins, sa concentration s'est relâchée, il a subi une grave blessure. Oh. Et donc à chaque étage, je gagne une armure. Ça va m'aider. Oh, il utilise des balles en argent, lui. Il doit avoir un effet spécial. Et lui, c'est un mage, mais il est mort. Attention, là, ça pop. Boum, mort instant. Boum, mort instant. On ne se relâche pas. Il y a des squelettes. Ok, très bien. On est dans les cryptes du Gonjon. Ah! Qu'est-ce qu'il a, ce caca? Il veut pas mourir? Ok, très bien. C'est bon. Oh merde! Boum! 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 Et voilà! À moi l'argent! C'est bon ça! 70 pièces, ça fait plaisir! Enfin, 70 douilles! Boum! Déjà, lui il crève! Lui il crève! Lui il crève! Ça, ça s'esquive! Ça, ça se double dodge! Ça, ça s'esquive! Ça, ça s'esquive double! Hop là! Le Lennon, il est présent! Le Lennon, il recharge au pire moment, bien sûr! Et boum! Ah! Et voilà! Ouh. Oh putain! Oh et merde, il absorbe mes balles! C'est dégueulasse, madame la juge!
c'est bon. On y croit. Mais non, au bout de sa résistance physique et mentale. Il lui reste que 44 balles. Il va falloir bientôt invoquer des munitions avec le pouvoir du Marines. Mais ne croyez pas que j'ai oublié, hein. Rassurez-vous. Je sais que le Marines a un super pouvoir, c'est d'invoquer des munitions et c'est cool. J'avais l'intention de m'en servir, donc tu crèves, tu crèves. Là, il est parti, il est là. Boum! Une clé, super. C'était un nécromancien, il est mort. Il comprend en 3 ou 4 parties son épisode. Non, non, mais en entier, chers amis, en entier. Moi, sur YouTube, je m'assume. Je m'assume. Ah, merde. Oh, putain, c'était quoi, ça? C'était un laser instantané. C'est bon à savoir. C'est pété, ça. D'accord, il faut lâcher. Je récupère l'argent. Victoire! Victoire, victoire, victoire. Victoire, victoire. Est-ce qu'il n'y a pas de petits personnages qui me... J'ai dû rater des passages secrets, chers amis. J'ai dû rater des passages secrets, vous avez dû me le dire. Ah non, là, regarde, il y en a un, là. Je fais pour... bon, écoute, hein, voilà, je c'est pas pour dire, mais je ne sais pas comment on fait pour les ouvrir correctement, et il me reste que 4 balles. J'attends que ça s'éteigne. C'est bon. Oh putain. Oh putain. Oh c'est bon. Oh une clé. C'est gratuit. C'est bon. Full skill. Oh qu'est-ce que c'est? Ah, non d'accord, c'est juste la pression, ok, c'est la plaque de pression. C'est la plaque, c'est la bière pression. C'est la bière pression, chers amis, ce n'est pas la pression d'un homme. C'est pas la pression d'un homme. Pour l'instant, on maîtrise. Heureusement que le donjon est assez linéaire. 4 balles. Putain, je peux pas y aller avec ça. Il faut que je claque le... Et bon, on va tester ça, écoute. Waouh, 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 waouh. Ah putain, j'ai pas vu le zombie. Je l'ai eu, je l'ai eu. Boum. Oh merde, 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 je les ai pas vus. C'est bon. Oh putain, je les ai eu. Oh polo. Oh polo, oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain, c'est la vie. Alors, bracelet de rubis, je ne sais pas ce que ça fait, Gisèle, Roger, mais en tout cas, je vais me saucer. Un cœur entier, oui. Une armure, oui. Clairement. Merci infiniment. Merci Roger. Merci Roger d'avoir sauvé le gameplay. Et vu qu'il n'y avait pas de munitions, on va utiliser un super pouvoir. Comment on s'en sert? Ah! Ah! Est-ce que je le prends pour Mega Buster? Ouais, je le prends pour le Mega Buster. J'aurais peut-être pas assez d'abeilles, mais c'est pas grave, je finirai tout au Mega Bustin. Alors, il doit y avoir quelque chose là-bas, mais. Non, merci. Hein. Non, merci! Le suicide, ça n'est pas mon kiff. Qu'est-ce que. C'est le flingue de Judge Dredd! Ah, oh, le juge! Et la dernière balle est explosive. Merci. Oh, c'est bon, ça. Oh, c'est bon, ça. Oh, ça, c'est bon. Oh, ça, c'est bon. Oh, là, je suis bien. Ah, oh, c'est le boss. Ok. Il y a un bouton, chers amis. Excusez-moi. Option. Commande.
Modifier config. À quoi sert LB? C'est pour recharger, ça c'est bien. Gâchette gauche pour la esquive. Gâchette gauche. Gâchette gauche, ça fait quoi gâchette gauche? Ça ne fait rien du tout, gâchette gauche. Eh ben écoute, on va le mettre là, gâchette gauche. Voilà, je vérifie que j'ai pas foiré mon coup. Donc RT, c'est pour le tir, gâchette droite. Bumper gauche, c'est rechargé. Bumper droit. Je sais plus ce que fait bumper droit. Ça ne fait rien, très bien. Et ça, voilà, ça me permet très bien de cycler. Vous voyez que le temps est ralenti en fait. Par exemple, si je tire une balle. Ouais, voilà, regardez, regardez. La vitesse à laquelle ce temps s'écoule. Ouais, donc ça va me permettre de réfléchir intelligemment. Ah merde, mais ça me servait à esquiver, gâchette gauche. N'est-ce pas? Oui, ça me servait à esquiver. Merde. Bon, ça c'est pour recharger, ça ne me sert à rien, et ça c'est esquive, ok, très bien. J'ai remplacé mon esquive par autre chose. Je suis quand même un mongol, mais d'une capacité, mais incroyable. Incroyable, sensationnel. Sensationnel. Donc du coup, bumper droit pour le menu d'armes, s'il vous plaît. Merci, voilà. On y arrive. Ouh. Du coup, ouais, c'est mieux. C'est mieux, ça me permet de mieux comprendre ce qui se passe à l'écran, déjà. Allons-y. Qu'est-ce que... Oh, sainte mère de Dieu. La muraille de machine. Super. Ah putain, d'accord. Ok. Je me suis fait allumer, sans mauvais jeu de mots, par les flammes et qu'est-ce qui... J'étais en feu ? J'étais victime du feu et je m'en suis pas rendu compte. D'accord, donc une fois que tu fais une roulade, tu meurs à cause de... Oh, super ! Bon ben voilà ! Le pyro barbare a succombé dans les flammes, mais j'ai une excuse, c'est parce que mon personnage était noir. Voilà, c'est... je déconne, c'est le rip, c'est le GG. Eh ben écoute, l'objectif du Lennon, je le souligne, c'était, je crois que mon objectif c'était de flawless le premier boss. C'est un échec, je n'ai pas flawless de boss, hein, je n'ai pas réussi à faire de perfect, mais j'ai atteint le niveau 3 quand même, voilà, j'ai atteint le niveau 3, je me sens bien, faut rouler pour enlever le feu, c'est chiant quand tu le vois pas. Ah bah, tu dois esquiver à plusieurs reprises pour éteindre le feu. Ah bah forcément, je ne le savais pas, chers amis. Mais écoutez, je suis mort à cause de mon inexpérience. 44 minutes de run, je suis plutôt fier. 301 tués, on s'en est bien sorti. J'avais une bonne run. Oui, je sais, vous auriez pu terminer amplement le jeu, le finir 30 fois avec une seule vie, avec les objets dont je disposais. Je sais, vous êtes meilleur que moi, mais c'est pas grave, moi je me suis bien amusé quand même. Dans tous les cas, faites un bisou, un pouce bleu, et le Lennon vous retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain essai. Le Lennon ne va pas s'arrêter là. Allez, sous.